que des jambes. Faire les choses bien. Aujourd'hui, comme j'ai dit hier, c'est un suivi. Je me lance dans une sacrée semaine aujourd'hui. Sacrée semaine. Semaine, je vais balancer du bulk day, balancer des frames sur ma chaîne secondaire et avancer. Je règle tout bien. 30 kilos, on y va. Quelques répétitions de chauffe. Parce que là, j'ai pas fait de vélo, j'ai rien fait. C'est pas bon. Hein. Vraiment, tu fasses du vélo. Mais je suis arrivé l'après-midi, il y a un peu de monde. Et je voulais faire du leg extension vite. Donc, je me chauffe dessus. Surtout, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. On est lundi. Comment c'est que les jambes? Ça va. Par contre, ça congestionne vite là. Ça congestionne vite, ça vient vite. Je vais baisser 15. Voilà, juste histoire de mettre un peu de sang, tu vois. Je mets un peu de sang. Et après, je mets de la charge. Parce que l'idée, c'est de monter vite en intensité. Je fais pas beaucoup d'exercices. Je vais pas me tuer. Mais me mettre de l'intensité. Parce qu'après, j'ai du travail. Et aujourd'hui, normalement, je sors ce bulk des jambes et une vidéo où je donne 5 conseils, non, 4 conseils pour apprendre à se filmer seul. À la salle ou n'importe où. Parce que ouais, j'ai envie de te faire une playlist sur la vidéo, là, c'est bon. Je vais te parler de photos vidéo. J'ai vraiment envie. Là, je me sens bien. Là. Ok. Oh. Là, on va partir sur 6 séries sur cette machine-là. On va se faire 3 séries en unilatéral. On va faire 10-10 avec une jambe et 10 avec les deux. 3 exercices, 3 fois. Et les 3 autres exercices, on va mettre de la charge. On va essayer de mettre... On va tout mettre. Et on va faire des séries de 8 à 10 répétitions, 3 fois aussi. Donc, un exo unilatéral, charge moyenne, et un exo double, où là on met lourd et on s'arrache. L'idée c'est de commencer avec une bonne intensité. Unilatéral, je vais mettre 20 kg, et les deux, je vais mettre 50. Ça va me faire mal, pas long niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. Deuxième, 30. Unilatéral. 30, 65. On va vraiment monter progressivement. Et se faire mal. Vraiment, on va se faire mal. C'est le but. Et je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit. Il y aura plus de sang en jambes, c'est pas pour rien. Je t'ai pas dit ça pour rien. Il y aura plus de sang en jambes que le reste de mes séances. C'est important. Là, le temps de repos, c'est le début. Entre une trentaine de minutes. Je pense que plus la séance va avancer, plus je vais mettre un peu plus de temps de repos. Mais l'idée, c'est pas trop se cramer. L'idée, c'est faire les choses bien, avoir l'énergie, finir sa série convenablement, tranquillement et avancer comme il se doit. C'est le plus important, vraiment. Allez, deuxième. Ça bien, on a dit 30, 65. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Bon, 5, c'est un peu ambitieux, mais on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ouais. Dernière. Je vais mettre 35. J'ai envie de mettre 40, mais j'ai peur de pas pouvoir bien faire le mouvement. Je vais quand même essayer. Je mets 40 et 70. Sachant que le max de celle-ci va jusqu'à 80 kg. Donc ça va, elle n'est pas super lourde. Mais ça va. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Je sais pas si je ferai du squat aujourd'hui. Il y a un peu de monde. Surtout à l'espace squat là-bas là. Il y a un peu de monde. Donc si je peux en faire, j'en fais. Si je peux pas en faire, c'est pas grave. On va faire d'autres exos. Mais le plus important, c'est de charbonner, faire ça sans jambes comme il se doit. Et avancer. Tu vois. Faut avancer, on va avancer. Ouais. On va avancer. Faire les choses bien parce que c'est important. Troisième, dernière. 40, 70, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, putain, c'est dur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain. 10. Putain, j'ai mis 75. C'est pas grave. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain. Dernière, on met tout. 80 kilos. Et on va faire des séries de 10, tranquille. Ah, faut être récupéré. Là, là, je suis dans un mood. Pas de distraction, rien. Rien. Je regarde que moi, je regarde que mes efforts. Oh. Un mood focus. Ça, c'est le mood des jambes, ça. Le mood des jambes, quand t'es bien dedans, c'est bien envie de mettre une capuche et d'être focus. Vraiment. Sachant que là, j'ai pas de douleur au genou. J'ai pu faire de l'unilatéral en lourd. Si tu suis les belles dés depuis les débuts et les séances depuis que tu arrives à Saint-Etienne, les jambes, au début, je mettais 10, 15. Ça faisait un peu mal, du coup, je baissais. Au niveau de mes genoux, ça va, je peux mettre lourd. Je peux mettre lourd, je peux m'arracher la gueule. Ça, c'est bien. On veut aussi progresser au niveau squat d'ailleurs. Merci beaucoup. Hein. Merci pour tous les messages, les conseils par rapport au squat. Je fais du sport depuis plus de 10 ans. Ouais, depuis 10 ans peut-être. De 10 ans ou un peu plus de 10 ans, peut-être 11 ans ou je sais pas. Mais tout conseil est bon à prendre. Sachant que les jambes, j'ai délaissé depuis longtemps. Je sais pas trop faire l'histoire. Mais tout conseil pour le squat. Et bon à prendre, vraiment. Même pour d'autres exos, si tu vois, il y a un truc, et moi je prends, j'améliore. Mon but, c'est d'avoir des bonnes jambes, c'est pas d'avoir des jambes de fou. Je sais pas si une génétique à avoir des jambes de fou, mais mon but, c'est d'être complet, tu vois, et reprendre du plaisir à bosser les jambes. Parce que c'est important de ne plus avoir mal au genou pour pouvoir recourir comme avant et être vraiment bien. Et je vais me donner à fond pour pouvoir faire ça. Voilà. Je suis encore essoufflé, je récupère un peu, j'arrête de parler et j'envoie mes 3 séries à 80 kg lourd. Allez, on y va, ça vient, c'est bien 80 kg, c'est bon max.
J'y arrive. Venez voir. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Ok, ça va. Ça va, ça va. Vu qu'il n'y a pas la même douleur que une latérale plus les deux, ça va, c'est gérable. C'est gérable. On va essayer de se faire en one shot. Ça veut dire, dès que je me sens bien repartir là, là, je repars. Même si je parle. Putain. Le chat, il a laissé tous ses poils sur mes chaussures, c'est une dinguerie. Mes chaussures sont remplies de poils. Allez, deuxième. On va se partir. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh. Si j'aurais voulu bosser mes jambes d'une autre manière, et j'ai envie de te dire plus intelligente, j'aurais baissé la charge, j'aurais mis un tempo. Une à deux secondes de blocage. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre de l'intensité. Parce que c'est ce qui manque pour mes jambes. Pour les faire grossir, c'est de l'intensité, tu vois. C'est du volume, c'est de l'atrocité, c'est de la destruction. Donc là, voilà. Lourd. Mais des bons, c'est fait mal et là, on se fait encore plus mal. Parce que mine de rien, je ressens tout ce que j'ai fait tout à l'heure, tu vois. Ça fait super mal. Vraiment. Vraiment, vraiment. Dernière. Dernière. 10. Après on change de machine. Fais ça bien. Fais ça bien. Valide. C'est la dernière. Après cette machine on la quitte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouf. Oh, celle-ci, elle était dure. Je l'ai senti, elle était dure. Je l'ai senti passer. Ça fait mal, en plus là, j'ai froid. Chaque fois que tu as les jambes, j'ai froid, tu vois. C'est un bordel. C'est bon. On va se poser. Soit faire du leg curl normal ou coucher, je vais voir. Ou faire un autre truc. Mais là, ouais, j'ai mal de fou. Là. C'est un délire. C'est un bordel. Allez, suivant. Ok, le leg curl assis et couché ont été pris devant mes yeux. Et du coup, je vais faire du RDL. J'ai pas mis super lourd, deux poids de 15 kg. Parce que la dernière fois que j'ai fait, mon amplitude était mauvaise. Et j'avais pas. Enfin, mon bras était pas bien, tu vois. Je me sentais pas bien. Du coup, je baisse les charges afin de faire un bon mouvement. L'idée, c'est de bien sentir ses ischios. Ouais, de faire les choses bien. On va faire direct. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf. 10, ok. En fait, ce qui n'était pas bon la dernière fois, c'est pas mon amplitude, c'est ma souplesse. J'avais perdu en souplesse dans ce mouvement. Et là, je le sens aussi que ça me fait mal un peu quand je descends. C'est compliqué. Par rapport à avant, putain, c'est compliqué. J'ai bien perdu quand même. Ça, il y a une vidéo où je prends un step. Je mets 100 kills. 100 kills, je balance mon RDL tranquillement. Mon casque et tout. Là, je suis à 2 poids de 15. Je suis fatigué. Je suis à 50 kills. 50. 50 kills. J'ai recompté pour être sûr. Mais 50 kills. J'ai du mal. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais bon, on va quand même bosser, quand même faire ça bien. Et avancer comme il se doit. Là, je suis à l'espace squat.
Donc normalement, si tout se passe bien, je peux faire du squat après. S'il y a personne qui vient faire des acrobaties ici. Ce qui est bien, c'est que je réapprends à faire les jambes, tu vois. Je réapprends à faire les jambes comme si j'étais débutant. Mais bon, un débutant qui met ses max à son échauffement, enfin qui met les max à la machine à l'échauffement, mais c'est comme si j'étais un débutant à la salle. Tu vois, je découvre les mouvements, c'est dur, j'ai mal, je vais faire des tours, je vais marcher. Parce que je soulève léger, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Allez, deuxième, on fait ça bien. Allez. Oh, 5. 6. 7. Ouais. 8. 9. Dernière. 10. Oh. Ouais. Ouais. C'est relou. C'est relou de fou. Ça fait mal. Mais bon, heureusement que je fais juste 3 séries. Heureusement. Dernière. J'hésite à rajouter un peu, mais je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça et je verrai. Là, j'ai une petite pointe au genou, là. Une petite mini-douleur. Je sais pas si ça va être contraignant pour mon squat. Mais on verra. On va essayer. On va tenter. On va tenter. Je me repose. Comme tout à l'heure, quand je suis prêt, j'envoie. J'étais parti m'asseoir, je me suis relevé direct. Parce que, faut pas s'asseoir. Quand tu fais les 100 jambes et t'es fatigué, faut pas s'asseoir. Faut pas s'asseoir, faut marcher. Faut faire autre chose, mais faut pas s'asseoir. Dès que je me suis assis, j'ai fait non. Vas-y, c'est pas grave. J'irai avec la caméra et je marche un peu et je parle en même temps. Mais là, ouais, commence à avoir du monde qui est venu. Donc, on va faire des cobles squats, malheureusement. Parce que ça m'arrange, hein, je crois que ça m'arrange. Mais je vais pas gêner. Je vais pas gêner. C'est important. Et je pense qu'on va faire 4 exos aujourd'hui. Hein. 4 exos jambes. Et après, je voulais faire les abdos, mais le problème, c'est que quand je vais rentrer, je vais faire une vidéo programme maison, tu vois, pour ma chaîne secondaire. Donc les abdos, je sais que quand je les fais, après j'ai mal et c'est relou. Suivant l'instant, ce que je vais faire, je vais avoir des crampes et je vais me rouler par terre devant la caméra et c'est pas le but. Allez, on y va. Dernière. Une. Deux. Là, j'ai pris moins large, c'est plus facile. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. C'est bien. Je déraque la barre. Enfin, je déraque. Je range les poids de la barre. Et on passe à l'exercice suivant. Goblet squat. Si tout se passe bien. Allez, c'est parti. Goblet squat. On sort 12 reps tranquillement. Pas de tempo, rien. Juste pour avoir au moins le mouvement du squat. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Moi, j'ai dit 12. Cinq. Allez. Six. Sept. Ouais. Huit. Neuf. 10, allez, 11,
Oh, 12. Ok. Ok. Faut que je me relève. Je me relève. Pourquoi ça me fait mal comme ça? C'est juste des gobelets squat. C'est juste ça. C'est juste ça. Ça fait mal, ça me fait transpirer, c'est un bordel. On va faire 3, on va assumer. On va assumer. 12. Faire ça bien. Oh. Franchement, c'est incroyable. Vraiment. Allez. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir et d'assumer ce qu'on a dit. Deuxième. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 10, allez. 11. 12. Ok. Très bien. J'ai mis un petit tempo là. Enfin, un petit tempo, j'ai mis un peu d'impulsion là. C'est bon. Quand je prends du temps, ça me fait mal. L'impulsion, ça fait mal aussi, mais ça va plus vite. Tu vois. Moi, vu que ça aille vite, ça, je suis bien. Je pense après, je ferai du sled. Je vais prendre le traîneau, je vais le pousser, aller-retour, après on rentre. Après on rentre direct. Oh. Parce que là, c'est un bordel. Mal. Vraiment mal. Oh. En tout cas, mets ton plus gros j'aime, hein. C'est important. Mets ton j'aime, ton commentaire. Donne de la force. Nous, on continuera de faire les choses bien. Qu'on fasse des vues ou pas, on va continuer. Jusqu'à la fin, parce que c'est important. Ah. Allez, valide-moi ça. Valide-moi ça. Hey. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, six. 7, 8, ouais, 9, 10, 11, ok, 12, je pense que j'ai moins d'amplitude, je suis descendu moins bas que d'habitude, je pense, je vais ranger l'haltère, bon, sled, on va faire un truc cool. On va tirer, pousser. On va le faire 3 fois. Et on va se barrer. Très bon exercice. Ça va bien soulager mes genoux. Plus c'est grâce à ça que j'ai pu recourir. On va faire des sprints. Vraiment. Je pense que... Je vais te faire un bulk day dehors où je vais te parler un peu de foot américain et mon plan et pourquoi j'ai pas coaché la saison et te parler un peu de tout au niveau du taf, au niveau de mes responsabilités parce que ouais, j'ai déménagé, je suis pas chez mes parents, les gars, j'ai un loyer à payer, je dois bosser. Foot américain, c'est un plus, tu vois. C'est un plus. Ouais. Il n'y a que des numéros bizarres qui m'appellent. C'est des pubs de free, je crois. Encore. Encore eux. C'est incroyable. Allez. Yeah.
Ok. Deux allers-retours. Je me pose un peu. Je repars direct. Bon, bah, ça se fait trois fois deux allers-retours. Allez, on y va. J'avais parlé de Bulk Day Vlog. Je l'ai enfermé, mais pas cette semaine. Pas cette semaine parce que cette semaine, je suis en hyper production. En termes de contenu vidéo, je ne peux pas te filmer mon vlog. Si je filme mon vlog, il sera pas intéressant en plus parce que ça va être. Je me réveille. Je vais à la salle. Enfin, je mange, je vais à la salle. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Et je passe mes vidéos, tu vois. C'est pas intéressant ça. Je fais pas d'activité, je sors pas et tout. Non. Pour faire un vlog, faut moi proposer un vrai truc, tu vois. Tu vas juste te plonger dans la vie d'un mec qui charbonne et qui fait rien d'autre qu'à part charbonner. Et pour te faire un vlog, un vrai vlog, faut au moins que je fasse des choses. Même là, la play, là, je joue pas. Hein. Je fais une pause jusqu'à la nouvelle saison de Call of. Pour jouer avec le car 98 un peu et après arrêter de jouer. Attendre Black Ops 6. Ok. Bon, c'est une dernière. Bon, c'est une dernière. Oh. Comme j'ai dit en parlant de jeu, les gars, faut que je devienne riche avant que GTA 6 y sorte. Vraiment. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est fini. L'idée, c'est d'arriver à un certain stade. Quand GTA 6 il sort, tu vois, j'achète un petit setup de stream et tout. Et je fais que des streams sur ce jeu. Je fais que ça. Vraiment, je fais que ça. Ça va être bien. Ah. Les dernières. Les dernières. Deux allers-retours. On valide. Et on poursuit le travail. J'ai parlé. Dans ma séance hier, j'ai parlé, et là j'assume. Allez, on y va. Allez. Fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Eh. Ok. Allez, on a mal, mais tout le monde a mal, tout le monde a mal. On y va. Je sais pas ce bol cadeau, il va donner combien de temps. Ah. Mais là, ouais, je t'ai tout montré là. Comme tous les bol day, séance rapide, fast, mais validé. Ok. C'est validé. C'est validé. C'est fait. Oh. Oh. En tout cas, c'est bon pour moi. Pour l'instant, au niveau de cette séance-ci, je vais te laisser ici. Je vais produire une séance maison, programme complet gratuit à la maison pour la chaîne Dame Jordan Training. Juste après, on va avoir mangé un peu parce que là je suis rincé. Mets un j'aime, mets un commentaire, donne de la force au max, c'est important. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.